Et bonjour, bonsoir YouTube! Bienvenue sur ce quatrième épisode de Has Been Zen. Mon micro est en train de se démonter. Bonjour YouTube, hein. Bienvenue dans cette nouvelle React. Et non, tu te trompes de site, Tommy. On se voit bientôt en live sur chat. Sur... Alors, du coup, nous sommes de retour pour ce quatrième épisode de Has Been Hotel, qui suit le troisième et qui va précéder le cinquième. Jusqu'à, j'espère que vous avez suivi. Et on est parti pour un quatrième épisode de qualité, toujours en VF, bien sûr, faut pas déconner, hein. Let's go. Donc avec notre cher ami là, Servipère, qui a peut-être découvert qu'il y avait des choses importantes à savoir, mais qui dormait à côté. Hein. Un t-shirt, bah oui. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre, j'ai aussi tilté, il est en 17 ans. En 18 ans, il n'y a eu pas 16 comme la dernière fois. Est-ce qu'il va y avoir des tons ? Je vais me faire bannir, let's go. Ah, il s'est kidnappé lui, tiens. Enfin réveillé. Il n'a pas plus que 4 bras pour t'aider. Ouais. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je veux que tu me dises où ton patron a planqué son coffre. Je suis mort de rire, tu crois que je vais te le dire ? Très bien ! Je vais te baiser jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux savoir. Est-ce que c'est un rôle qu'il fait ? Donne-toi à fond, papa. D'accord, c'est un rôle. Vous savez quoi ? Oui, regarde avec ça ! Ce rôle, j'ai reçu le sexe XXL Award. C'est... Pourquoi il regarde ça ? Respectable. Burke. Défonce-moi le cou. Ok, ça suffit, Angel, c'est quoi ce bordel ? Hein ? T'as 10 journées confession sur canapé. Je vous montre mon meilleur film. Et je vous raconte que grâce à lui, j'ai piqué la vedette à cette grosse pute de Tiffany Susnichon. Susnichon. Cette scène d'interrogatoire manquait clairement de conviction. Ah, ok, tête de gland. Une question, tu peux me dire ce qui te donne le droit d'insulter mon travail comme ça ? Arrête de faire semblant de pas voir que ces scénars sont merdiques. Oh. Va te faire foutre. C'est de l'art, ça, monsieur. Mais c'est... Pourquoi elle adore ça, Nifty ? Tu te saoules la gueule et tu râles tout le temps. Tout le monde vient chialer aux oreilles du barman. Je connais tous vos petits secrets dans les moindres détails. Lui, là, c'est un bouffon suspicieux et angoissé qui vous reluque pendant que vous roupillez. Quoi ? La princesse, c'est un cœur sur la main qui veut résoudre les problèmes de tout le monde sauf les siens. Ah. Quoi ? Mais non, voyons, quoi ? Pff, non. Celle-ci juge tout et tout le monde parce qu'elle se déteste. Ah. Non. Et Nifty ? Vaut mieux pas que vous soyez au courant. Oh mon dieu. Je vais être au courant. Tu plaisantes pas, toi. Waouh. Le chaton sort ses griffes. Et Nifty, elle aime tout. Et toi. Évitons le sujet. Je vois clair dans ton petit jeu grotesque, monsieur le mythomane. Qui, moi? Un mytho? Waouh. Eh ben dis donc, je l'aurais jamais cru. C'est peut-être pour ça que je suis acteur, trou de balle en chou-fleur. Quoi? Et sache que... Attends, football en chou-fleur. Allô? Non, je... Non, mais c'est que je... Non, je suis pas... Mais... Oui! J'arrive tout de suite. Bon, il semblerait que Val ait besoin de moi pour une... prestation urgente. Mais oui, bien sûr. Tu sais quoi? Je t'emmerde. J'en ai absolument rien à foutre de ce qu'un barman alcoolo pense de moi. Pourquoi tu retournerais pas dans ta litière de merde, histoire de nous lâcher la grappe, monsieur l'expert du porno ? Angel ! Non, tu peux pas partir ! On n'a pas du tout terminé nos exercices de la journée ! Vous pouvez très bien vous en sortir sans moi ! Il nous reste plus beaucoup de temps pour faire nos preuves, on a vraiment besoin de toi ! Ma poupée, j'ai un taf. Je sais que tu veux régler tous les problèmes, mais à moins de pouvoir changer mon boss, tu peux rien faire pour moi. À moins que tu puisses le payer... C'est dur ! Qu'est-ce que je fais de travers ? Eh bien, comment dire, tu es la princesse des enfers. Et donc alors, les lunettes, je les veux. Jamais tu utilises ta position pour que les autres se soumettent. J'adore ce trait de caractère chez toi, mais peut-être que tu pourrais... Je ferais un peu. Comme ça, faire preuve d'un peu plus d'autorité. Mais c'est trop méchant. Non, pas vraiment. Ce serait de la bienveillance agressive. Ok, alors je peux me servir de ma bienveillance agressive pour convaincre le boss d'Angel de lui laisser passer plus de temps avec nous pour le bon fonctionnement de notre hôtel. Tout ce qui peut te permettre d'y arriver, bébé. Oh,
papouneige. Est-ce que c'est pour ça que c'est 18 ans? Oh, tu t'attends vraiment à ce que je mémorise tout ce texte? T'as qu'à improviser. Tu crois que les gens ont quelque chose à foutre des dialogues? Action! Bah oui, justement. Oh non! Tous ces cambrioleurs! Et moi qui suis... C'est parce qu'il y a, des fesses que c'est en 18 ans? Je ne vois qu'une seule solution. Me laisser faire. Oh! Alors, par quoi tu commences, mon mignon? Charlie? Moi, c'est Rocky. J'en ai rien à secourir. Oh, mais non. Là que la magie opère. Oh, waouh, c'est... Oh, alors... Ça fait beaucoup. Charlie, qu'est-ce que t'es venu foutre ici, bordel de merde? Je suis la princesse de l'enfer, Angel. Et je vais où ça me plaît. Je suis venue pour que tu disposes d'un max de temps pour l'hôtel. Où est ton boss? Non. Pas question que tu t'approches de Val. Angel! Qu'est-ce que tu fous? Ils vont déborder! Rien! Ils vont déborder! J'arrive! Là, t'es hors champ, ça le fait pas! C'est du Viagra, là! Attends que j'ai fini de travailler, après on en parle, t'as ma parole. Mais d'abord, tu sors! Ah, votre majesté! Oh no! Bienvenue dans mon humble donjon du sexe. Que puis-je faire pour... Voulez-vous un... Spécimen! Tu ne veux pas un rôle dans mon film? Je préfère de toi une star. Tuto pour rester en liberté, ne faites pas ça à la princesse de votre pays. C'est un conseil d'amis. Les deux, on deviendrait encore plus riche que ton papito. La vache, oh non! Je m'excuse. Je suis venue pour vous parler avec une bienveillance agressive d'Angel. Mais on verra ça plus tard. Je veux pas que vous preniez trop de retard dans votre travail. Oh, comme tu veux. Installe-toi confortablement, ma princesse. Et profite du spectacle. On reprend cette chérie depuis le début. Action! Oh, waouh, messieurs les cambrioleurs. Faire ça devant la princesse de l'enfer. J'espère que vous ne me blesserez pas avec vos gros calibres. Ce serait dommage. Bouge pas, petit enculé. Et la perche! Garage bite, sinon je vais... Coupez! Quelqu'un peut me dire pourquoi la perche est en berne? Ouh, je suis désolée. On fait trop de bruit, peut-être. Je lui parlais de ce qu'on pratiquait à l'hôtel Asbin. Mais pas du tout, princesse. N'êtes pas chier le gestion, là. Cela ne me dérange pas du tout. Je trouve que cette scène est tout particulièrement violente. Je peux peut-être donner un coup de main. Retravailler le script pour qu'il soit un tout petit peu moins... Ok. Ok, il y a le feu. T'es en feu. Ok, très bien. Oh mon dieu, d'accord. Est-ce que vous avez un extincteur peut-être? Non, je suis vraiment désolée, j'ai gâché votre vie. Pardon, je suis désolée. Merde. C'est quoi, c'est déjà quoi le nom de cet insecte? Oh mon dieu, je suis tellement désolée. Je peux nettoyer tout ça, je vais... T'inquiète pas pour ça, mon enfant, on a du personnel pour faire le ménage. Plus que ça en français. Angel. Je peux te parler voilà, dans ta loge, s'il te plaît. Le père, non. Ouais, c'est à Moff, hein. C'est le nom que j'avais. Écoute, je savais pas que... Val, je... Tu crois sincèrement que cette salope de fille de Lucifer peut te débarrasser de moi? Val, s'il te plaît, je suis désolé. Tu l'as fait venir ici pour qu'elle te protège? Pour qu'elle m'emmerde! Val, arrête! Tu crois qu'elle peut te libérer de mon emprise? Non, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Non. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Tu m'appartiens. Tu n'as pas oublié ce détail. Anthony? Non. Quand je te dis viens, tu réponds... Oui, Valentino. Quand je te dis baise avec 20 mecs avant le déjeuner, tu réponds... Oui, Valentino. Quand je dis que tu fais mieux de virer cette pétasse de mon plateau, tu réponds. Tu réponds? C'est que Val, elle se mêle toujours de tout, mais je vais lui dire de partir. Lui fais pas de mal. J'ai tué des salopes dans ton genre pour moins que ça, trou de cul. Mais tu me rapportes un max de fric. Alors, débarrasse-nous de cette bouffe. Et ensuite, on tourne toute la nuit. Compris? Oui, Val. Bien. C'est parti. D'accord. Tu remets ton petit cul là où il était et on reprend tout depuis le début. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez le traiter comme ça? Charlie, tu arrêtes. Angel, pourquoi tu me dis... C'est plus facile à faire. Dégage.
Je voulais pas que tu viennes ici. Et quand je te dis de partir et de me laisser, t'écoutes même pas. Tu fais qu'aggraver les choses. Mais je voulais seulement t'aider. Eh ben c'est loupé. Tu veux absolument me donner un coup de main? Alors tu fous le camp d'ici. Immédiatement. Laisse-moi finir mon boulot. Laisse-moi me faire défoncer. Je voulais pas... t'embêter. Ouais, ben, enfin, elle manque un peu de jugeote, là. Là. Désolée. Quand même. Bon garçon. Et... action. Ah, le chant. J'ai pas peur de vendre du plaisir. Encore un amour qui m'emmène dans ses délires. Encore une nuit à vivre le pire. Yeah, yeah, yeah. J'aurais mieux fait d'être sur mes gardes. J'aurais mieux fait de pas me perdre dans ton sourire. T'empêcher de me mentir. Yeah, yeah, yeah. Enfermé dans cet enfer, je dois me jeter la pierre. Car tu es un poisson, un délicieux poisson. Ah mais écoutez cette musique, non? À ton venin, je te le dévorer. Vite ton poisson, je perds. Alors, déjà vu. Et je sais que demain je recommencerai. Oh, dis-moi ce que tu veux, chérie. Dans mon lit, rien n'est interdit. Oh, oh. Fermez les yeux si vous avez moins de 18 ans. Arrêtez. Tu m'as bien appris à faire semblant. Je sais exactement tout ce que tu veux de moi. Je disparais, je suis à toi. Yeah, yeah, yeah. Je ne peux pas résister à prendre une autre gorgée. Car tu es un poison, un délicieux poison. Je m'étouffe, je reviens, je veux tout dévorer. Au poison, je perds la raison. Je me fous de demain, je suis trop défoncé. Ah ouais, c'est Et tu mettras fin à ma vie avec ce poison. Poison, je me noie dans ton poison. Tout glisse entre mes mains, je sais pas sur qui compter. Tout ce poison, j'ai perdu la raison. J'espère que demain je pourrai oublier. Eh ben, ça on a changé d'ambiance avec lui en tout cas. J'ai besoin d'un verre. Mais ce que t'as de plus fort? T'as une sale gueule. Non, impossible. Juste une longue nuit de tournage. Rien de neuf sous le soleil. Je t'ai demandé un truc fort, bordel. Oh, pardon. J'avais pas compris que t'étais en mode boire pour oublier. Oh, pardon, ouais. J'avais oublié que j'avais affaire au bon vieux barman qui sait tout. Il faut boire pour oublier qu'on est bourré. Garde ces conneries pour toi et sers-moi un verre digne de ce nom. Écoute, c'est pas en te noyant dans l'alcool que tu trouveras une solution à ton problème. Tu peux me croire, j'ai longtemps essayé. Oh, bien sûr. Il y a beaucoup qui essayent. On doit chercher d'après toi. Peut-être dans ta chambre. Sous la couette. Hein? Et on pourrait peut-être y aller ensemble. Stop! Joue pas à ça. Oh, je t'en prie. Je parie que je peux te faire battre des ailes, ouais. Arrête! Bordel de merde! Me fais pas ton petit numéro, ça n'a jamais marché sur moi! Tout ce que t'arrives à faire, c'est de te ridiculiser, pauvre mytho! Traite-moi encore une fois de mytho, connard! Et tu vas voir! Wesh! Mytho! Espèce de trou de... Ah! T'as fini? Oh non. La tristesse. Tu sais quoi? T'imagines même pas la chance que t'aurais de pouvoir me baiser! Tu sais combien je vaux? Tu sais combien de personnes tuerais pour que Angel teste leur chatouille les couilles? Va te faire foutre! Donne-toi bien du plaisir avec des angoisses de dépressif! Oh putain, Angel, où est-ce que tu vas? Je me casse! Esk, tu lui as fait quoi? Un cocktail, pourquoi? Oh non! Bon. Il avait l'air vraiment bouleversé. Tu connais Angel, ça va le faire. J'en suis pas aussi sûre. J'ai vraiment foiré au studio aujourd'hui et il a... C'était pas génial, en fait. Merde, peut-être que quelqu'un devrait lui courir après. Quelqu'un qui s'appelle Husk. Mais non, la gueule, la grognasse. C'est pas la faute de Husk. T'as qu'à t'en occuper. Je te signale que c'est pas à cause de moi qui s'est barré. C'est toi qui es responsable de ce bordel, donc tu vas le chercher. Non. Non, ça vaut deux, Charlie. Arrête. Il faut pas l'obliger à revenir. Vérifie qu'il est en sécurité, c'est tout. J'ai été beaucoup trop loin tout à l'heure et j'ai fait qu'aggraver les choses. Il reviendra quand il le sentira.
En attendant, je veux simplement être sûre qu'il ne lui arrive rien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais rédiger une centaine de lettres d'excuses et le thème du cours de demain sera ne pas dépasser les limites. Demain, c'est Julien Doré qui fait le cours. Parce que lui, dépasser les limites, il connaît. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Je suis complètement destroy. Serre-moi du distro. Je parlais de la bouteille entière, trou de cul. Ouais. Alors j'ai dit, c'est moi que tu veux baiser? Mais t'as pas les moyens, vieille bite. J'ai l'embarras du choix, pas vrai, les mecs? T'as grave raison. Hé, hey, poupée. Sois un cœur et prépare-moi une autre tournée. Papa est à sec. Oh, petit GHB. Pour toi, trésor. Rien que pour toi. Bien essayé, face de Ray. Et ça part immédiatement en baston général, let's go. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, bordel de merde? Lâche-moi la grappe! Non, je te ramène à l'hôtel, Aspin. Lâche-moi! Cet enculé a mis quelque chose dans ton verre! Tu me crois pas capable de voir si quelqu'un met de la drogue dans mon verre? Ça m'arrive tout le temps! Tu laisses les autres te droguer tout le temps? Quoi? Tu crois que ça me fait plaisir? J'ai jamais rien demandé, putain! J'ai pas demandé à être comme je suis! J'ai pas demandé à Charlie de me sauver, et encore moins à toi de me sauver! Je me démerde très bien, tout seul! Vraiment? Parce que ce que j'ai fait, c'est de l'autodestruction. Ouais. On dirait que... Je sais pas, moi. Il te faudrait un barman à qui parler. C'est ça. Maintenant, tu fais comme si t'en avais quelque chose à foutre de moi. Après la façon dont tu m'as traité, tu crois que je vais me confier à toi? Je t'en prie. Peut-être que je te traiterais mieux si t'étais toi-même. Plutôt qu'une version merdique et sans intérêt. Tu respectes jamais mes limites. Tu sais, à l'hôtel, personne n'en a rien à foutre de cette image que tu donnes. Avance sur le cours. Que tu sois connu, que tu sois sexy. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est d'arrêter ton numéro. C'est pas un numéro. C'est qui j'ai besoin d'être. Et ça, c'est mon échappatoire. Là où je peux enfin tout oublier. Où je peux oublier que... Je déteste tout. Un espace où je peux planer sans avoir à penser à quel point tout ça me fait mal. Et peut-être que si j'arrive à me détruire par la même occasion que je finis totalement ravagé et détruit, je ne serai plus son jouet préféré et peut-être qu'il me laissera enfin partir. Ouh. On n'attendait pas ce twist au niveau du personnage de Angel. Il y a longtemps, j'étais un seigneur suprême. Ouais. Et c'était sympa d'avoir autant de pouvoir. Mais quand tu commerces avec les âmes... Et que t'es un accro du jeu. Les enjeux sont considérables. Ouais. Perdre souvent la main peut s'avérer extrêmement dangereux. Alors quand la chance te tourne le dos, t'es capable de faire n'importe quoi pour te remettre à flot. Et ça va jusqu'à ta propre perte. Tu vois, je sais ce que c'est de regretter les choix qu'on a faits. Et... Et qui se passe entre lui et Alastor, du coup? L'or. Ça va pas fort, tu sais plus comment gérer. Toute ta vie est une putain de foirade. Tu te sens aussi dégueu qu'un robinet rouge. Mais si tu prends pas ta cam, tout est fade. Tu es paumé. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est bien vrai. Attends, quoi? T'es un loser, chéri, un putain de loser fini. T'es une très bien. Petite salope éclatée. Encourageant. Et un loser aussi. Merci du coup. T'es un poivron claqué, un petit poireau périmètre. La musique musicale. L'instrumental, quoi. Et je suis censé me sentir mieux là. J'ai cru que jamais personne ne pourrait comprendre toutes les horreurs qui pourrissent mes pensées. Mais j'ai ouvert la porte à des idées puissantes. On
vit tous dans le même monde taré. Je me suis vendu à un connard psychopathe. Tu crois peut-être que ça m'épate. Reprends-toi mon gars. On est des losers, chérie, des losers. Et c'est pas grave si t'as... Qui vont se pécho un épisode sans égo. Chérie, c'est ça la vie. Car je suis un loser aussi. J'ai une addiction au jeu d'argent. Tu sais le moindre truc qui... Y'a un côté Disney, mais pas avec les valeurs de Disney. Ouais vas-y bébé chante pour moi. Allez. J'ai plus aucun trou à déflorer. J'ai vendu mon âme comme raté. Maintenant je suis au bout d'une laisse. Je suis piégé et c'est pire d'année en année. Chérie. Un loser, mais peut-être que si on bouffe notre merde ensemble, on aura une... Enfin, regarde, tu me disais, je suis ton ami. Toi, ça passe tellement. Sois toi-même, y'a pas de problème. Un loser, toi, os. Ils sont là. Ils chantent, ces enfoirés. J'appelle. Merde, tu bouges pas. Je vais régler ça. T'es mort, dis-donc. Faire un 12. Tiens, mon mignon. Fils de pute. Prends-toi ça, grenade. Mais... Wesh, l'explosion. Je peux me débrouiller tout seul, mon petit chat. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est rarement le cas. Entre nous, je m'attendais pas à voir un truc pareil. Comme je te le disais, tu sais pas qui je suis. Y a pas que le sexe ou je suis une bête. C'est bon à savoir, parce que ce gars-là, il m'intéresse. Le gars bon sexe. Il avait genre 3 bifetons, et il a fallu au moins 3 minutes pour les compter. Alors. Il a de la merde dans les yeux, le mec. Maintenant, à quel point ça s'est dégradé pendant leur absence? Est-ce que Charlie a fait de la merde entre-temps? Et c'est à ce couillon que tu dois obéir. Je sais, ah, c'est une... Elle en est pas loin, mais... Je suis vraiment désolée, Angel. Je te promets que je ne ferai plus jamais, 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 jamais. Charlie, ça va. J'ai compris. Merci de t'inquiéter pour moi. Non. Tiens, je crois que c'est à toi, ça. Oh, crois c'est ça. Mon cœur. On va aller faire dodo. Il me pardonne. Oh, c'est tellement beau, Maggie. Oh là, je monte à de 5 ans et demi. Ça te dit de boire un verre? Tu lis dans mes pensées. La Charlie version enfant est incroyable. Voilà. J'aime trop. Ah, c'était cool. Bah, je m'attendais pas à ce genre de plot twist. Hein. Mais je vais m'étier ça, oui. Une engueulade, une petite tuerie, un bon verre. La base d'une bonne amitié. TKT, ça passe toujours. C'est vrai, je m'attendais pas trop à ce twist de changement un peu dans l'histoire de Angel. C'est vrai que je m'attendais pas au début, en commençant la saison, que ce soit aussi, comment dire... aussi sombre en vrai, parce que c'est quand même vachement sombre tout ça, et ça parle quand même de complot, de mort, de gens qui sont emprisonnés plus ou moins par d'autres personnes, surtout rouge. Et oui, bah écoute, moi je suis daltonien, je vois pas le rouge, c'est tout remplacé par du noir. Allez, bon allez YouTube, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir été là, on se voit à Genius, toujours sur Twitch bien sûr, pour ces lives absolument incroyables. Merci d'avoir été là. Je ne sais plus parler. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.